Salut à toutes et à tous, c'est DreamHax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur Minecraft. Et nous sommes en bêta 1.7.3. Je vous montre ça tout de suite au menu, voilà. Pour la série que j'ai nommée l'homme de Craftmanion. Pour dire en gros retour aux sources. Enfin je sais pas si ça a le même sens mais bon, voilà quoi. C'est la nostalgie. On joue en 1.7.3. Cette marrant pour voir comment se débrouiller les gens en 1.7.3 sans les hoppers, les trucs comme ça. Voilà. Donc déjà, il y a déjà un truc qui me dérange. C'est que ça marche plus quand on reste appuyé avec le clic pour mettre les items. Alors voilà, on sert une pioche. Et on va casser la stone. Ah, et j'ai changé mon skin, j'ai mis Totoro. Car j'adore le film. Et j'ai pris le site de la map de Fanta, de son premier guide pour me débuter à Minecraft. Pour vous rappeler que c'est grâce à lui qu'on s'est tout joué. Enfin pas presque tous mais en grande partie. Pour la nostalgie. Alors on va prendre un petit peu de stone pour se faire un four et des items en pierre. Et on va se donner pour objectif de tuer le dragon. Bon, un peu comme tout le monde, quoi. On essaiera de faire une ferme à Enderman. Je sais pas si ça peut être possible. On verra. Donc déjà, il y a un truc qu'il n'y a pas dans la bêta, c'est qu'on n'a pas la bouffe. Donc maintenant, la bouffe, quand en bêta, on a juste à clic droit et ça régène de la vie automatiquement. Ah, sorry, c'est pas moi. Alors ça, une hache. Bon. J'ai bouffé un truc. Ça me réussit pas trop. Bon, si j'arrive à remonter. Ce qui consiste, c'est qu'on appuie le sprint. Ah, mais on a les achievements. C'est bien ça. J'ai essayé d'avoir les anciens bruits, mais c'est impossible de les remettre en bêta. Enfin, avec le launcher de Minecraft qu'on a. J'ai ça avec des textures packs qui n'ont pas changé les sons. Ni dans les fichiers, ça n'a pas marché. Voilà. On prend la table de craft. Et... Oh, c'est plus loin à casser ça avec une hache. Et on va essayer de trouver un endroit où s'installer. C'est par là. Ah, des piggies. Ah, l'ancienne texture avec le noir autour. Ça l'était bien cette texture quand même. Moi j'aime bien quand il y avait le noir. Je sais pas mettre du... enlever le noir c'est... Voilà quoi. Bon, je trouve que ça rend bien. Et ici vous allez reconnaître tout de suite. C'est là qu'il avait fait sa maison. Voilà. Donc on va se mettre ici comme il avait fait. Je trouve que ça peut être bien. Est-ce que le F3 plus H marche? Non. Pour la durabilité. Ah oui, avec le vieux F3. Genre. Vas-y, on se le fait. Genre. Ah ouais, c'est des bits maintenant pour viser. Eh, vous avez vu comment il tenait son arc? C'est de pique. Épique. Hop, j'en mets bien le casque. Donc, je tiens à dire bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Vous êtes 461 à l'heure où je parle. Donc pour moi c'est quand même beaucoup quoi. Il y a un mois et demi j'étais à 270, ça augmentait d'un coup. C'est énorme. Mon nombre de vues a sextuplé. Avant je tournais autour de 50 vues par jour, maintenant je fais 800 vues par jour, c'est épique.
ça du jour au lendemain. Ça m'a vraiment étonné. Donc, on va tuer un petit cochon. On va bouffer ça. Bouffe. On va admirer. Oh, je l'ai pas eu. Ah, la texture de la cobble. C'est vrai, il y a celle-là. What? Ça change pas trop. Ouais. Ouais, c'était vraiment joli ici. Bon, non, on va se mettre là-bas. Ouais. C'est pas mal tout ça. Sérieux, elles étaient belles les générations en bêta. C'était vraiment énorme. Là aujourd'hui, ils ont mis plein de biomes, je sais pas, les biomes extrémistes, c'est du grand n'importe quoi, il y a de la stun qui dépasse, enfin. Moi j'aime pas. Oui, en fait, le sol des extrémistes maintenant, c'est pratiquement que la stone. Ça gâche tout le paysage. Alors que là, regardez, avant, on avait des superbes montagnes et tout. Voilà. Triste. On va se mettre là. Ah oui. On peut frapper à travers les portes, je crois. Je crois. D'accord, non. Ouais, on peut pas. Mais là, je fais clic gauche et ça ouvre la porte, en fait. Bon, allez, on fait la petite maison, là. La petite maison dans la prairie, mais c'est pas ça. On essaiera de faire de l'architecture, ça peut être bien. Architecture avec les moyens du bord. Il n'y a plus de quartz, il n'y a plus les trucs comme ça. Ce que je me demande, c'est si y a les pistons. Je crois qu'il y a les pistons dans cette boîte, ouais. Je crois même qu'il y avait eu un générateur de blocs. Cette version, mais on va pas le faire, bien sûr. On n'est pas comme ça, nous. Voilà, c'est tracé. Ah, bien sûr, la pioche qui se pète. Ça fait pas le bruit. Bien sûr, je mets du bois. Oh, la table de craft. Alors. Ah, un smic qui crame. Ah, il va looter des plumes, j'ai envie de voir ça. Il est où? Il est où? Ah, il est mort là. Est-ce qu'il a looté une plume? Non. Dommage. Donc là, les mobs respawn. Donc on peut tuer tous les cochons, ils vont respawner le lendemain par exemple. Ça, c'est pas mal. Alors, on tire une épée. Avec le bon craft. Bien sûr. Et on finit juste de creuser ça. On va noter les coordonnées. What? F2 ça. What? Non, c'est F1. Voilà. Ok, il n'y a même pas la touche chat en solo. Ah oui, c'est vrai, en solo il n'y a plus le chat. Bref, alors on va chercher une grotte. Ça me perturbe de ne pas pouvoir faire WF5. Vous voyez, on voit la face de devant. On peut voir que le mon cul. Regardez. Là, j'avais jamais remarqué. Le bout de ma hache dépasse de ma main. Quelle nouvelle. Et quand c'est vers nuit. Trouvons une grotte. Est-ce qu'on a des alentours? Je sais pas. Bon. Wow, comment ça s'enlève comme ça? Je vais tuer les cochons. Et on va les miner. Bon, bon, on va les faire un minage optimisé. À l'ancienne. Il fait très nuit la nuit. Putain. Eh, mais vous avez noté des côtelettes? Merci. Ouais, et les côtelettes ne se stack pas. J'ai jamais compris pourquoi. En même temps, c'est un petit peu logique, ouais. Wouah, il fait vraiment nuit, quoi. C'est bien, ça.
D'accord. Allez, ça va casser ça, puis poser. Parce qu'avant, on pouvait. Bah. Waouh, mais hey, il fait très nuit. J'espère que vous allez voir quelque chose. Je m'empresse de faire des torches. Alors, je vois rien là. Épique. Hop. Hop. Désolé, vous voyez rien. Hop. Oh, les planches, ça cuisait plus avant. Eh, ça, c'est bien ça. Enfin, j'ai l'impression. Charcoal. Sans la texture changée. Hop. Hop. Oh non, on va mettre ça on. Il fait vraiment nuit, ouais. Eh, c'est joli, hein. Moi, je trouve ça joli, tout ça. Oh, les étoiles, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Vraiment pas mal. Hop. Je vais quand même garder un petit peu de bois. Hop. Hop, on met ça comme ça. Tac, tac. Tac, merde. Hop. Ah! Ça grave pas tout d'un coup. Ok, je dois cliquer à chaque fois. Armol! Tu la bêta. Bon. On va les miner. Par ici. Sans se payer de torcher un max. Ouais, les torches éclairent moins ce que je vois. Ouais, et le F3 est beaucoup moins garni. F, c'est quoi? Je ne sais pas. Yep. On va aller comme ça jusqu'à la couche 30, ouais. 30, je suis con, moi. 10. Bon, petite ellipse, le temps que je descende. On se retrouve très vite. Hop, donc, petit fer sur le chemin. Ah oui, et vous pouvez admirer la texture du gravier qu'on avait avant. Enfin, qui a été changée depuis la 1.3 ou 1.4, je ne sais plus. Je vois pas pourquoi ils ont changé, c'était pas mal ça. Ouais. Bon, gravier, toujours mon pire ennemi. Ah, ça fait vraiment drôle de le revoir. Ouais. Bon, on se trouve en bas. Et re. Donc là, je creuse. On est à la couche 15. Je viens de trouver une grotte. Bah, c'est parti pour l'exploration. Ah bah on trouve déjà de la lave. Ah, l'ancienne texture, ouais. Pas mal. Hop. On sait ce qu'il faut faire, nous, hop. Petite passerelle, voilà. Alors, j'ai encore trouvé un petit peu de fer sur l'escalier. Enfin, sur la route, pour venir. Donc là, on en a 21, c'est pas mal. 21, ouais. Pour l'accent marseillais. On va se faire deux fours. 3 même. 1, 2, 3. Hop. Attends, c'est tout ça. Voilà. On va transformer tout ça en planche. On va mettre 6 partout. Hop. Bien sûr, ça marche pas. Voilà. Tac. Ça marche pas le shift click, fait chier. Tac. Tac. Voilà, pendant que ça cuit. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Oh, du diamant! Excellent. Bon bah, on a déjà de la chance. Redstone, diamant. Que demande le peuple? Hop. On sort tout de suite une pioche en fer. Il me semble qu'à cette version, le diamant se mine plus lentement.
On va tester ça. Ah non. Ah, ça donne plus l'XP. C'est perturbant. On cherche autour. Parce que le 2, ça me paraît suspect. Ouais, knock 2. Ouais, knock 2. Braf, c'est déjà bien. Ce que j'aimerais, c'est du charbon. J'en ai un, ça va. On va se faire 4 torches. Hop. Oh, la réticence, c'est ça. Je disais bien, il y avait un bloc qui se cassait. Mangue. Oh! Yeah! Grotte. Ouais, la lave, c'est vrai qu'elle pique un petit peu les yeux. Ça. Oh oui, la grotte ici. Désolé, la musique doit être hyper forte. Voilà. C'est réglé. Et il me semble que ça continue là-bas. Non. On va me laisser d'où ça sonne. Ouais, c'est pas mal tout ça. Nous sommes heureux. Hop, on prend tout ce qu'il y a dedans. On sort de l'armure. Et une seconde pioche. Voilà. Hop. Ok, les points d'armure sont à droite. Je sais plus trop comment ça marche, l'armure. On va voir ça. Les fours sont assez longs à miner. Je trouve que c'est logique vu qu'on utilise 8 cobbles pour en faire un. Donc en gros, c'est comme si on avait miné 8 cobbles en même temps. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu logique que ce soit long à miner. Voilà. Alors, faut voir. Ah, on voit vraiment rien. Faut vraiment des torches. Ah, bah voilà, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Du diable. Non, t'es sérieux? Oh! Les mecs. On est chanceux. On est en easy. On se met en hard. On est comme ça, nous. Yeah, deux. On n'a pas derrière. Non. Bon, c'est déjà bien. 4 diamants. Pas une somme minage. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Allez hop, on met ça. What? Ah oui! Putain, je me rappelle! On voit les entités. On voit le nom des entités qu'on appuie sur F3. D'accord. Donc là, on peut voir les zombies à travers les murs. Ok. Okidoki. On va miner ce filon de charbon. Je vais essayer de bien continuer cette série parce que vous me connaissez. À chaque fois que je fais une série, je m'arrête au 12e épisode. Donc, je vais essayer de vous en faire une sur avec Minecraft avec des mods. Soit Feed the Beast, soit Minecraft, j'ajouterai mes mods que je veux. On verra ça. Ça peut être pas mal. On sert un stack de torches. Pourquoi je clique aussi rapidement? Tout simplement parce que ma souris a un double clic. Donc c'est-à-dire j'appuie sur un clic et ça fait un double clic directement. Voilà, donc on a la couche 14, on va descendre un petit peu. Et d'accord! Qu'est-ce que c'est? Tellement de grottes. Voilà, couche 11, on va miner un petit peu. On se retrouve très vite. Heureux, j'ai découvert qu'il y avait une grotte ici. On va explorer tout ça. Redstone, on prend. D'accord. On sert une pioche en diams. On va tuer le wither. Non, je rigole, il n'y a pas de wither.
dans cette version. Ah, c'était tellement bien ces versions, je trouve. Dans Minecraft, il y a trop de trucs. Au lieu de régler les bugs et tout. En fait, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je préfère fermer ma gueule que dire de la merde. En ce moment, je suis en train de jouer sur en PvP sur Minecraft, sur le serveur Modcraft. Vous avez pu voir que j'ai fait une vidéo vite fait dessus, où je montrais un pillage d'une base que j'avais trouvée. Je l'ai fait vraiment à l'arrache, c'est là. Bon, je me suis dit, c'est pas intéressant. PvP. Voilà. Donc sur Minecraft, je me faction avec des potes, tranquille. Tranquille, on est le premier du serveur, il me semble. Parce qu'il n'y a personne qui arrive à nous battre à chaque fois. Alors, je pense on a environ 5 stacks de 5 double coffres de P4. Voilà. Donc, on est assez à l'aise. Donc, si vous voulez venir sur le serveur, l'IP c'est modcraft.fr. modecraft.fr. Voilà. Sur ce, je continue mon minage optimisé jusqu'à ce que je trouve une grotte du fer. Encore un petit heureux. Donc, j'ai trouvé l'utilité de l'armure. Là, je me suis pris du gravé sur la gueule. Et ça m'a fait perdre un petit peu de points d'armure. Et si j'ai pas trop compris, l'armure c'est un petit peu usé. C'est vraiment assez buggé. Enfin, pas buggé, mais. Ah, c'est. Je sais pas comment c'est codé les armures. Donc voilà. On a trouvé du lapis. C'est pas mal. Donc voilà. Heureux! Donc j'ai fini les miner. Alors j'ai pas trouvé de diams, ni de donjon, ni de grotte, mais j'aurais miné 41 fer, 9 or, un petit peu de redstone et du charbon. On aura 4 diamants, donc c'est pas mal déjà pour un début. Hop, on place les coffres. Tac tac tac. Ok, shift-click qui marche pas, j'oublie tout le temps. Youp. On fout ça là. La côtelette, on la cuit avec ça. Et on va se faire deux coffres. Enfin, un double coffre. Ah, on entend des trucs. Ouais, c'est un squelette. Foutre celle-là. Oh, la barre du milieu. Putain, ça fait vraiment gros les coffres. Ça fait pas le bruit ni rien. Ouais. J'imagine que si on fait ça, on va l'ouvrir. Normal. Vas-y, viens. Connard. Hey. Hey. Putain. Il est chaud lui. Bon. What? What? Oh. Ok, j'avançais tout seul. Bon, on va bouffer ça. On va se faire le reste de l'armure. Voir si l'or c'est meilleur en fait dans cette méthode. Je ne sais pas, on va tester. Du coup, on va se faire ça. Hop. Et des bottes. Peut-être que c'est meilleur, on ne sait pas. Je propose de se faire soit une épée en diamant, soit une pioche. Je préfère faire une pioche. Ce sera plus d'utilité. Et on va faire une épée en fer. On va aller chasser un petit peu. Ah bah il fait jour. Du coup on va poser tout ça. Hop, 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 hop. Vraiment très joli. Bon, on va aller tuer les creepers qui est là-bas. Et on va se laisser pour l'épisode 2. Allez, viens là. Vas-y, viens.
Non. On peut plus parer les coups. Trois coups, ok. Viens. Creeper. Hop. Des plumes. Ça fait plaisir. Oh, la canne à sucre. Ça, c'est bien ça. Il m'a fait peur, lui. Ah, l'ancien bruit de l'herbe. C'est bien ça. Ouais, on est plutôt classe. On ramasse ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. So, tchuss!